Ce personnage-là, à mon avis, c'est celui qui a le plus changé aujourd'hui. Puis on est encore en train de le chercher, on est encore en train d'essayer de mettre le doigt dessus. Ce rebelle-là qui était un rocker, maquillé, des boucles d'oreilles, très, très, très autosuffisant, très, j'allais dire révolté, mais non. Juste pas dans ce monde-là, puis à l'aise avec le fait de ne pas s'identifier à ces gens-là. Mais on sait pas ce qui est devenu. On cherche. Puis c'est parce que cette marginalité-là, aujourd'hui, elle existe, mais de toutes sortes de façons, dans toutes sortes de domaines, puis toutes sortes de gens, aujourd'hui, peuvent être excentriques de toutes sortes de façons, tu sais. Fait qu'on a comme un choix à faire, là, puis à préciser. Mais à mon avis, tous les personnages ont changé, ont évolué, ont changé. Mais celui-là, c'est le plus. Je pense que c'est celui qui aura le plus. Qui va le plus aller ailleurs.